déjà versé dans mon verre avant que je n'arrive. Je dois encore faire l'effort de la boire. Et c'est aussi celui qui la boit aura encore soif. Tandis que l'eau que le Seigneur nous donne, elle jaillit en source de vie éternelle. Nous allons quitter l'Apocalypse, mais on ne la quitte jamais tout à fait, car elle est notre actualité et notre avenir absolu. Et nous allons maintenant nous laisser instruire par Saint Paul. Et comme nous avons très bien travaillé hier, je pourrais, avec vous, méditer deux grands textes de Saint Paul. Et le premier est tiré de la lettre aux Romains. C'est la plus longue lettre de Paul. Elle n'est pas toujours très facile à lire. Paul, dans cette lettre, a exprimé sa pensée concernant le rapport de la foi chrétienne avec la foi juive, avec la foi d'Israël. Paul est devenu chrétien, mais il est resté juif. Et la grande question à laquelle il a été confronté était: est-ce que pour devenir chrétien, il faut d'abord devenir juif? Est-ce que la fidélité à la première alliance impose de d'abord vivre la loi de Moïse avant de passer à la loi du Christ? C'était une question extrêmement importante. Et si on avait jugé qu'il fallait d'abord être juif, d'abord recevoir la circoncision, observer toute la loi de Moïse pour devenir chrétien, le christianisme serait resté une religion liée à un peuple et à une culture déterminée. Et heureusement, l'Esprit Saint, à travers Saint Paul, Saint Pierre aussi dans une moindre mesure, mais surtout à travers Saint Paul, l'Esprit Saint a fait comprendre que on pouvait devenir chrétien soit à partir du judaïsme, soit à partir du paganisme, et que les païens ne devaient pas devenir juifs pour devenir chrétiens. Or, l'enjeu était terrible, parce que les juifs traitaient les païens, encore comme les musulmans aujourd'hui, de chiens, des chiens d'infidèles. Il y avait un mur de séparation entre les juifs et les païens. Et les païens n'aimaient pas beaucoup ce petit peuple irréductible, encore plus que le village gaulois d'Astérix. Irréductible, ce petit peuple qui ne se laissait pas assimiler à la culture environnante, qui gardait sa foi au Dieu unique et sa morale très stricte. Il y avait un mur qui séparait. Et voilà que l'Esprit Saint, grâce à Saint Paul, à travers le ministère de Paul, va réussir cette merveille d'unir dans un même peuple nouveau, juif et païen. Et Paul consacre les premiers chapitres de la lettre aux Romains pour montrer que tous ont besoin de salut, et les juifs et les païens. Les païens, parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Dieu, mais ils ont adoré des idoles. Et les juifs, parce que, tout fiers qu'ils étaient de la loi, ils ne l'ont pas
observer. Et donc tous les hommes sont pécheurs. Et Paul résume ça dans une formule un peu brutale dont il a le secret. Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché afin de pouvoir les accueillir tous dans sa miséricorde. En néerlandais, le jeu de mots est plus facile. God heeft alle mensen opgesloten in de zonde, om ze dan allemaal in te sluiten in zijn barmhartigheid. Il y a des langues qui permettent des jeux de mots, et dans certains cas, et pas une autre. Et donc, sa grande thèse, c'est que pour être sauvé, il ne s'agit pas d'abord de présenter à Dieu des œuvres comme le pensaient les Juifs. Si on observe la loi fidèlement, scrupuleusement, on est juste aux yeux de Dieu. Et Paul va tenir une thèse radicalement différente en disant « Ce n'est pas par nos œuvres que nous méritons d'être justes aux yeux de Dieu, mais c'est par la grâce, c'est par la foi dans le don de Dieu. Et les œuvres viennent après. Bien sûr, nous sommes invités à faire le bien plutôt que le mal, à observer les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas en les observant que nous méritons de devenir justes à l'égard de Dieu. C'est Dieu qui, gratuitement, nous rend justes si nous accueillons sa grâce dans la foi, et cela nous donne alors de porter un bon fruit, d'accomplir les œuvres qui plaisent à Dieu. Et après avoir exposé tout cela en long et en large dans les 7 premiers chapitres de sa lettre aux Romains, Paul, à partir du chapitre 8e, décrit ce qu'est la vie nouvelle pour les Juifs comme pour les païens qui se sont convertis, la vie nouvelle dans le Christ. Une vie où on est désormais, par le baptême, habité par l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui va être le guide de notre vie. Alors je vais vous commenter la plus grande partie du chapitre 8e de la lettre aux Romains, Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, de versen 14 tot het einde. Donc nous allons méditer le chapitre 8 de la lettre aux Romains, la première de la lettre de Paul dans votre Nouveau Testament, depuis le verset 14 jusqu'à la fin. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le ton est donné dès le premier verset, et donc Paul s'adresse à vous, parce que l'Écriture est toujours actuelle, et il vous dit, depuis votre baptême, vous êtes animés par l'Esprit de Dieu, vous avez une seconde âme en vous, vous avez votre âme naturelle, mais vous avez l'Esprit Saint aussi qui vous habite, et donc vous êtes fils et fille de Dieu. C'est pas rien d'être fils ou fille de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Paul parle un peu durement, mais de ce qui a été jadis sa vie de juif très convaincu, très intelligent, mais quand même un peu fanatique. Et rétrospectivement, il juge que ce qu'il a vécu dans le judaïsme était une sorte d'esclavage. On doit chercher à être fidèle à la loi de Dieu jusque dans tous les détails. Et comme vous le savez, il n'y avait pas seulement dans la pratique juive les 10 commandements, il y avait toutes
sorte de prescription minutieuse sur le plan alimentaire, sur le plan du repos, du sabbat. C'était un carcan. C'était, et on était soumis à une loi rigoureuse, impitoyable. Eh bien, vous n'avez pas reçu, en recevant l'Esprit Saint, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Vous êtes des fils et des filles adoptifs de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu vous habite. Qui nous fait nous écrier « Abba, Père, nous osons prier comme Jésus priait son Père. » Et Jésus priait son Père d'une manière inédite, inouïe dans le judaïsme. Il appelait Dieu « Papa ». Appeler Dieu « Père » était praticable dans le judaïsme, pas fréquent cependant, mais appeler Dieu « Papa »,« Abba », c'était une familiarité à laquelle personne n'avait jamais songé. Et Jésus priait comme cela son Père. On le voit prier ainsi à l'agonie. Père, s'il est Père bien-aimé, Abba, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, eh bien l'Esprit qui nous habite et qui fait de nous des fils adoptifs nous fait nous écrier Abba, Père bien-aimé, Père chéri. Et l'Esprit en personne, l'Esprit Saint en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous en doutons, parfois, l'Esprit Saint va travailler en nous pour nous inspirer. Inspirer, Esprit Saint, c'est la même racine. Là, ici, le jeu de mots est plus facile en français qu'en néerlandais. L'Esprit Saint, esprit, ça vient du verbe respirer, spirare en latin. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il respire en nous. Il nous inspire, il nous aspire vers ce qui est vrai, vers ce qui est bon. Eh bien, il atteste, il se joint à notre propre esprit pour attester que vraiment nous sommes enfants de Dieu. Ça ne va pas de soi de penser que nous sommes enfants de Dieu, que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Paul poursuit son raisonnement. Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Les enfants, ils héritent de leurs parents. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et de quoi allons-nous hériter? De Dieu. Alors ici, tous les notaires du monde perdent leur latin. Parce qu'il n'y a pas de taxe fiscale prévue pour quelqu'un qui va hériter de Dieu. Et donc ça n'intéresse pas tellement les notaires. Très surpris de voir qu'il y a des gens qui, sans aucune formalité fiscale, vont hériter de Dieu. Alors là, je vous fais sourire un peu, mais la formule est extraordinaire. Nous allons hériter de Dieu. On ne va pas hériter. Oui, on hérite parfois de. Il y a des gens qui héritent de 50 000 euros. Mais l'euro, ça se dévalue. Et puis de toute façon, ça passe. Et puis le fisc prend déjà une bonne partie. Vous héritez d'une maison. C'est bien, mais cette maison, un jour, elle croulera, elle disparaîtra. Tous les héritages terrestres sont passagers. Et c'est pourquoi il ne faut pas trop se battre concernant les héritages. Mais nous allons hériter de Dieu.
Dieu n'a pas quelque chose à nous donner, il a lui-même à nous donner. Héritier de Dieu et donc héritier avec le Christ, co-héritier avec le Christ. Puisque nous souffrons avec lui, pour être aussi glorifiés avec lui. Petit encouragement que nous donne Paul. Être chrétien, ça vous coûte quelque chose. Et ça coûte beaucoup à certains. Alors, puisque nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Et nous allons hériter avec lui de la gloire que Jésus a reçue lors de sa résurrection. Et la formule, mes chers frères et sœurs, vous allez hériter de Dieu. Pour ce temps déjà et pour toute l'éternité. Je passe au verset 18. Paul vient de parler de gloire, d'héritage fabuleux. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Paul est très réaliste. Il sait bien que le temps de notre vie terrestre est vulnérable. Nous sommes exposés à la souffrance. Et Paul parle des souffrances du temps présent, de son temps, mais c'est valable pour tous les temps. Et aujourd'hui, eh bien, Paul contresignerait cette affirmation, informé que nous sommes de temps de souffrance du temps présent. Mais les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Quelle est cette gloire qui va se révéler en nous? Bien, c'est celle qui est déjà présente de manière cachée, présente dans notre vie depuis que nous faisons partie du Christ. Depuis que nous lui sommes incorporés par le baptême, par la confirmation, par l'Eucharistie. Ça, c'est la conviction qui est au cœur des versets que nous allons lire maintenant. La vie de Jésus ressuscité est déjà en nous. Et Paul va suggérer que la création, le cosmos, tout entier, les quatre animaux de l'Apocalypse, un peu jaloux sur nous. Ils sont un peu jaloux sur nous, parce que nous, nous sommes déjà habités par la vie de Jésus ressuscité, et la création tout entière voudrait bien avoir part à cette gloire, encore discrète dans nos vies, mais réellement présente. Je reprends. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous, mais qui est déjà présente dans nos vies. Car la création, bon, ici le Paul élargit son regard à toute la création, incluant tout l'univers physique et toute l'histoire humaine. Les quatre vivants de l'Apocalypse et les 24 vieillards de l'Apocalypse. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Toute la création est en attente. Et elle aspire à la révélation des fils de Dieu. Elle aspire au moment où nous serons pleinement glorifiés par notre résurrection. Et elle espère y avoir part. Elle est en attente, elle aspire à la révélation des fils de Dieu. Si elle fut assujettie à la vanité, voilà pourquoi elle aspire. Parce qu'actuellement, elle est assujettie à la vanité.
Donc Paul vise par là ce dont je vous ai déjà parlé les jours précédents. Il vise par là l'état présent de la création. Nous ne sommes plus au paradis terrestre, nous ne sommes pas encore au paradis céleste, nous sommes dans ce monde beau mais tragique. Splendide. On a tous probablement vécu des moments de bonheur dans notre vie, des moments de joie, des moments d'exultation. Mais les moments de souffrance, d'épreuve, n'ont pas manqué. Et ici-bas, ça ne peut pas être autrement. Dans l'état présent de la création, la vie et la mort sont toujours mêlées, la joie et la souffrance sont toujours mêlées. Je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, on ne peut pas vivre sans tuer, et on ne peut pas vivre sans mourir et sans souffrir. Voilà ce que Paul appelle la création assujettie à la vanité. Non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Nederlandstal, een versie van de brief van de Romeinen, schrijft men celui, hem met een grote H, verwijzend naar God. Ik vind dat het geen goede interpretatie is. Celui, Paul n'a pas précisé qui est ce celui. Oh. Parfois, certains font l'hypothèse que c'est Dieu. Je ne pense pas que ce soit correct. Celui, ça vise le premier Adam, ça vise l'homme, la femme originelle, avant l'état présent de la création, dans ce qu'on appelle le paradis terrestre. Ça vise l'homme, la femme originelle, séduit par Satan, par l'ange rebelle, par les anges rebelles. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption. Pourquoi elle aussi? La création, elle aussi, parce que nous le sommes déjà. Nous sommes encore dans le vieux monde, dans le monde ancien, comme dit l'Apocalypse. Mais nous avons déjà le monde nouveau en nous. Nous sommes déjà greffés, greffés sur Jésus, mort et ressuscité. Nous avons déjà été plongés, ondergedompeld. Nous avons été déjà plongés dans la mort avec Jésus pour émerger avec lui à la vie nouvelle de la résurrection. Nous sommes déjà habités par l'Esprit de Dieu. Et la création, soumise à la vanité, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans notre sort à nous, dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je disais ça de manière familière en disant la création est un peu jalouse sur nous. Monsieur Afghanistan, un peu envieuse à notre égard. Elle voudrait avoir part, elle aussi, à la liberté qui est déjà la nôtre, que nous savons que nous allons mourir. Mais nous savons aussi que nous sommes greffés sur la vie de Jésus ressuscité. Nous savons que nous allons mourir dans quelque temps. Mais tout à l'heure à la messe, nous allons manger le corps de Jésus tel qu'il est maintenant, ressuscité. Nous allons manger to pharmakon tis erthanasias, comme disaient les pères de l'Église en grec. Nous allons manger le remède, pharmakon, pharmacie. Nous allons manger le remède de l'immortalité, le remède de la vie éternelle. Ça, c'est un genre rend jaloux tous les pharmaciens. Les notaires, déjà, sont très fédérés. Les pharmaciens, parce que nous
nous avons le tophagmagon tis aphanesias, le remède de, vous connaissez le mot euthanasie, hélas, mais le remède de l'euthanasie, de l'immortalité, on ne meurt plus. Nous allons mourir, mais nous sommes déjà branchés sur la vie qui ne périt plus. Et on verankerlijk leven. Donc la création est un peu jalouse. Elle aspire, elle a l'espérance d'être libérée, elle aussi, de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. Toute la création, jusqu'à ce jour, gémit. Retenez ce verbe. Toute la création gémit. Krunt. Elle gémit, toute la création. Parce qu'elle est assujettie à cette loi de vanité, à cette loi de vie et de mort. Entremêlée. Elle gémit. Mais dans l'espérance. Et donc elle gémit avec des gémissements que Paul compare aux gémissements de la femme en train d'accoucher. Mesdames, vous en savez un peu plus que nous sur le sujet. Ce sont des gémissements habités par l'espérance. Quand Jésus dit ça, quand une femme met un enfant au monde, elle est dans la tristesse, elle gémit à cause des douleurs de l'enfantement. Mais une fois que l'enfant est né, elle exulte parce que un nouvel être humain est né dans le monde. Donc la création tout entière, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement, parce qu'il va y avoir une recréation de l'univers. Mais, et non pas elle seule, mais nous-mêmes, nous gémissons. Pourtant, nous possédons les prémices de l'esprit. Nous avons déjà un homme. Comment est-ce qu'on dit prémices en irlandais de... Voilà, de eerste vruchten. Nous avons déjà les premiers fruits de l'Esprit Saint en nous. Et pourtant, nous gémissons. C'est vrai. Nous vivons déjà de la vie nouvelle, du monde nouveau que nous avons contemplé dans l'Apocalypse, et pourtant nous gémissons. Nous aussi, comme la création, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Dans l'attente du jour où nous recevrons notre corps de gloire. Car je vous l'ai déjà dit, mais tape sur le clou pour l'enfoncer, Dieu va recréer nos corps. Je ne sais pas exactement comment il va faire. Au jour de la résurrection, en tout cas, vous n'irez pas grappiller, oprapen, vous n'irez pas grappiller vos atomes de carbone, de silicium, quelque part dans un... dans une tombe, dans une urne funéraire ou dans une pelouse, vous aurez été dispersés ensemble. Dieu va recréer nos corps. Et ce sera nous. On reconnaîtra Sabrina. Et on reconnaîtra François. Et on reconnaîtra tout le monde. C'est qui traduit. Ce sera nous. Mais ce sera mieux. Ce sera nous, mais dans, ne me demandez pas de le décrire, mais un corps qui n'est plus exposé à la souffrance. Comme disait l'Apocalypse hier, il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni deuil, ni mort, parce que l'ancien monde s'en sera allé. Eh bien, tant que nous ne sommes pas là, tant que nous ne sommes pas encore ressuscités, eh bien nous gémissons nous aussi. Donc gémissement de la création, mais aussi
notre gémissement, bien que nous soyons déjà habités par la vie nouvelle du monde nouveau, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la pleine rédemption de notre corps. Car notre salut définitif, il est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Donc, nous ne voyons pas encore nos corps de gloire, mais nous espérons. Et au terme du credo, il y a, je crois, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le credo se termine par cette foi dans la destination éternelle de nos corps quand ils seront ressuscités. Mais nous ne le voyons pas encore, mais nous l'espérons dans la foi. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer, comme nous le faisons, espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. La constance, volharden in de hoop en in het geloof. Être persévérant dans la foi et l'espérance. Pareillement. Donc il y a déjà eu deux gémissements. Le gémissement de la création tout entière. Puis nos gémissements à nous. Et pareillement, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Que c'est vrai. Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Nous prions, nous ne savons pas où est le vrai bien. Nous devons prier pour nos frères et sœurs persécutés. Et en même temps, le Seigneur va se servir de leur martyre pour faire grandir son Église. Comme disait Tertullien, grand écrivain de l'Église ancienne, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. On est malade, on prie pour sa guérison. Si c'est la volonté de Dieu, c'est très bien que nous guérissions. Mais parfois, nous grandissons spirituellement à travers la maladie. Qu'est-ce qui est le mieux? Nous ne savons pas. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est notre véritable bien. Le message, pour résumer du message, Dieu veut notre bien. Il sait ce qu'est notre véritable bien et il réalise notre véritable bien. Alors nous, qui ne voyons pas comme Dieu voit, qui ne voyons pas la totalité, nous ne savons pas prier. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Donc soyez à l'aise, demandez ce que vous voulez demander, mais en disant au Seigneur, c'est à toi de jouer, c'est toi qui sais. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Trois gémissements. La création tout entière gémit. L'humanité gémit. Et l'Esprit Saint vient en nous gémir. Prier en unissant des gémissements inexprimables à nos gémissements et à ceux de la création. Mais l'Esprit lui-même, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint prie en nous. Et l'Esprit Saint est en nous un puits profond de prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais nous pouvons toujours rejoindre la prière de l'Esprit Saint en nous. Et lui, il intercède pour nous. Et il sait ce qui est notre véritable bien. Et il intercède pour nous en des gémissements ineffables, inexprimables, en esprit quelque.
Et celui qui sonde les cœurs, le Père, sait quel est le désir de l'Esprit Saint, et que son intercession pour les saints c'est nous, Paul appelait saints tous les baptisés, même s'il y avait de solides pécheurs parmi eux, mais il les appelait les saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont à Éphèse, les saints qui sont à Antwerp, les saints... Et celui qui sonde les cœurs sait qu'il est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Donc, quand vous ne savez pas prier comme il faut, quand vous ne savez pas la prière qui convient, abandonnez-vous à la prière de l'Esprit Saint en vous, et lui vous connaît à fond, mieux que vous, et il connaît quelle est la volonté du Père. Et son intercession pour nous correspond aux vues de Dieu. Et nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. Je leur dis comme condition. Même s'il faut passer par des moments très difficiles parfois dans la vie, nous savons, dit Paul, qu'avec ceux qu'il aime, et nous cherchons quand même à l'aimer, nous l'aimons un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Mais nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ça peut être une conviction fondamentale et qui nous met dans la paix. De savoir que Dieu collabore en tout avec nous pour notre bien. C'est le sens profond d'une parole d'une mystique anglaise, Julienne de Norwich, qui disait « Vous verrez, tout finira bien. » Alors, elle ne disait pas ça d'une manière superficielle, à la manière d'un film hollywoodien des années 50, où tout se termine bien, ils se marient, ils oublient l'enfant. Ce n'est pas pour dire qu'il y a un happy end qui est garanti d'avance, sans aucun effort, mais finalement, nous verrons que Dieu a collaboré avec nous pour notre bien en tout, y compris quand nous étions malades, y compris quand nous avions des échecs, y compris quand nous étions objets de critiques, etc. Dieu collabore en tout pour notre bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il nous a choisis, c'est le texte de l'après-midi, il nous a choisis dans le Christ avant même la création du monde. Donc il pensait déjà à toi avant même la création du monde. Tu n'existais pas encore, mais tu étais déjà dans les pensées du cœur de Dieu avant même la création du monde. Bien sûr, que d'avance il a discerné, il les a aussi prédestinés, destinés à l'avance à reproduire l'image de son Fils, à être fils et fille de Dieu à l'image de son Fils à lui, afin qu'il soit l'aîné, afin que Jésus soit l'aîné d'une multitude de frères et de sœurs. Donc il a pensé à nous avant même que le monde soit créé. Il a voulu que nous soyons en Jésus, son Fils, ses fils et ses filles adoptifs, afin que Jésus soit l'aîné d'une multitude de frères et de sœurs. Et ceux qu'il a ainsi prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés à travers nos parents, la grâce du baptême, tous ceux qui ont été pour nous des relais de l'appel de Dieu sur notre vie. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, justifiés par la foi, par la grâce du baptême, pas par nos mérites. Et ceux qu'il a ainsi rendus justes, justifiés, il les a aussi glorifiés.
Alors, Paul conjugue au passé notre glorification, qui pourtant est pour une large part encore à venir, mais dans sa conviction que déjà maintenant, par le baptême, nous vivons de la vie nouvelle. Nous avons déjà part à la gloire de Dieu. Et alors les derniers versets qui sont, il faudrait que vous les appreniez par cœur, c'est une pure merveille ces derniers versets, et une source d'espérance inépuisable. Que dire après cela? Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous à ce point, au point que son Fils est devenu homme parmi les hommes, au point qu'il a porté dans sa croix toute notre détresse et notre péché, et que dans sa résurrection, il nous a offert une vie nouvelle, et il la partage déjà avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Si Dieu nous a déjà donné son Fils, est-ce qu'il va nous refuser le reste? Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a Jésus? À tout. Et tout le reste est inclus dans ce don, est déjà compris dans le don du Fils. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? Puisque c'est Dieu qui nous justifie. Si Dieu prend notre parti, s'il prend notre parti, qui va alors pouvoir nous accuser? Qui donc condamnera? Sera-ce le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous? Alors, on a déjà vu parler de notaires, puis après, il y avait quoi? Les pharmaciens. Maintenant, les avocats. Nous avons comme avocat, en latin, advocat, ou celui qu'on appelle pour venir à notre secours, en grec, parakletos, le paraclet. Paraclet, c'est le mot grec pour avocat. En hébreu, c'est goël. Nous avons Jésus pour avocat. Alors, c'est de quoi faire verdir de jalousie, jaunir d'envie tous les avocats du monde. On a des gens qui ont pour avocat Jésus ressuscité. La cause est gagnée. Qui donc quel tribunal va nous condamner? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, dit vous on the zinc plate, dit on the zinc the plate. Il est notre avocat, notre paraclet. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Merveilleux. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Alors Paul fait sa liste à lui en fonction de son expérience apostolique, chahuté, difficile, pleine d'épreuves, mais vous pouvez faire votre liste à vous. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Et Paul pourrait continuer. Il cite un mot de l'Écriture, il cite un psaume, « À cause de toi, on nous met à mort tout le long du jour. » Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, donc faites votre liste à vous, d'après l'expérience de votre vie. Et vous concluez comme Paul, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans l'Apocalypse, Jésus était défini comme celui qui nous aime. Et bien Paul, même chose,
Mais dans tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Et Paul fait une seconde liste. Et il vous invite à faire aussi votre propre liste. J'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté. On y pense à tous les cœurs célestes, les archanges, les chérubins, les séraphins. Ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance. On y pense aussi aux puissances maléfiques. Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature. J'oserais même ajouter à sa liste, même pas le péché, ne peut nous séparer, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, si nous le confions à la miséricorde de Dieu. Même pas le péché. Et pensez à toutes les détresses qu'il y a dans toutes les victimes, toutes les personnes abîmées par la drogue actuelle, ou par l'alcool, ou par la pornographie, la dose quotidienne d'alcool, ou de drogue, ou de pornographie. Ça abîme le cœur humain. Je pense aux personnes qui ont été blessées par une longue pratique de l'homosexualité, ça a perturbé leur affectivité. Je pense aux personnes qui ont vécu le drame de l'avortement, parfois en l'ayant choisi, souvent en l'ayant subi à cause de la pression de l'entourage, et qui garde une blessure profonde et humainement irrécupérable, puisque cet enfant qui n'est pas né, il ne naîtra jamais. Mais là, Jésus ressuscité donne une espérance aussi dans ces cas-là, parce que cet enfant, il n'est pas né en ce monde, mais il est né au monde nouveau. Et je garantis, sur la foi de Jésus, que les mamans qui n'ont pas pu voir leur enfant, soit par une fausse couche, c'est un drame aussi, les fausses couches, ou bien à cause de l'avortement, ces personnes, ces femmes, auront comme accueil dans lors de leur arrivée dans le monde nouveau, tous ces êtres dont on n'a pas vu le visage ici-bas, mais qu'elles reconnaîtront, qu'elles accueilleront, et qui les accueillera. Il n'y a que Jésus qui offre une espérance pareille, une espérance de guérison, de réconciliation. C'est pourquoi la liste a beau être longue chez Paul, mais elle est incomplète. Ajoutez tout ce qui dans votre vie vous a humilié, vous a fait souffrir, dont vous avez honte peut-être dans votre passé. Je pense aux hommes et aux femmes et aux hommes maintenant aussi qui sont exploités dans la prostitution. Parfois en ayant choisi, souvent en y étant entraînés à cause de la misère, des problèmes économiques, ou bien parce qu'on a été capturé dans un réseau de prostitution. Qui va offrir une guérison à ces personnes, sinon celui qui a enduré tout, porté tout, traversé tout? Donc oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, dont on a parfois peur, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Eh bien, merci à Saint Paul de
de s'être laissé inspirer par l'Esprit Saint des phrases d'un contenu aussi riche et avec un témoignage vécu derrière. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans mon cœur, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous le 200e anniversaire de sa naissance. Il est né
le 16 août 1815. Il a toujours prétendu qu'il était né le 15 août par amour pour la Vierge Marie. C'est un des rares mensonges qui s'est autorisé. Les vilains du diable 300 milliards van de geboort van Don Bosco, geboren op 16 augustus, maar hij beweerde altijd dat hij op 15 augustus geboren was, het feest van Maria Hemelvaart. En sur son lit de mort, il a répété beaucoup ses paroles. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi ? Parce que il avait lui-même beaucoup souffert de cela. Il a été littéralement persécuté par l'archevêque de Turin, pas celui qu'il avait ordonné prêtre, mais son successeur, c'est-à-dire Gastaldi. Et c'est allé si loin que, pendant une certaine période, l'archevêque de Turin, et il était prêtre du diocèse de Turin, lui a interdit de confesser, alors que la confession était au centre de sa pédagogie. Il éduquait les jeunes, notamment par le sacrement de la réconciliation. Dus heeft veel moeten weten van de aartsbisschop van Turijn. Niet degene die hem tot priester had gewijd, maar zijn opvolger, monsignor Gastaldi. En dat ging zo ver dat hij in een bepaalde periode, ik weet niet meer hoe dan, het hem verboden was biecht te horen. En de biecht stond centraal in zijn pedagogie. Sa pédagogie reposait sur la confiance faite aux jeunes. Important. Mais aussi sur le sacrement de la réconciliation, qui est le sacrement de la confiance que Dieu nous fait. Et comme il avait beaucoup souffert de cela, et bien sur son lit de mort, il répétait : aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et bien nous devons vivre cela aussi. Nous devons beaucoup prier. Actuellement, spécialement pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Ils sont si nombreux et de manière si atroce. Mais nous devons prier aussi pour les persécuteurs. Pour que le cœur des premiers soit réconforté dans leur souffrance et pour que le cœur des seconds soit touché. Nous ons niet beperken tot het bidden voor onze broeders en zusters die op een verschrikkelijke manier vervolgd worden, maar moeten ook bidden voor degenen die hen vervolgen, opdat de genade Gods, de liefde van God, de vervolgden zo kunnen zo troosten en bemoedigen en ondersteunen en versterken in hun lijden, maar ook dat dezelfde liefde van God ook het hart van de vervolgers zal raken. Tout ce que dit Jésus dans ces passages, c'est si concret que ça rejoint nos vies dans leur quotidien et dans leur misère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? En celui de Génie, alleen maar degene die verder die jullie lief hebben, ja, de tollenaars doen net hetzelfde. Wat is dan uw verdienst als jullie dat doen? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc c'est en étant pardonné que l'on apprend soi-même à pardonner.
comme dit Saint Paul aux Colossiens, par le Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez-vous aussi. We hebben vergeving groot nodig. De vergeving die wij krijgen van onze eigen zonden, maar die wij dan moeten delen met onze broeders en zusters. En soms is het zo moeilijk voor ons om te vergeven. En soms is onze ziel ziek, omdat we er niet in slagen, vergeving te schenken. En hoe kunnen we dat leren? Tenzij door zelf de ervaring mee te maken dat wij vergeven worden, dat het ons vergeven wordt door de Heer. C'est pourquoi dans ce lieu vous avez eu le bonheur de vivre le sacrement de la réconciliation. C'est un grand cadeau, mais c'est un cadeau à partager. Et il y a des maladies dans la vie humaine qui sont liées au fait qu'on ne pardonne pas. Et que tout ça reste dans le cœur et crée une grande amertume. Et donc le raisonnement de Saint Paul est très correct. Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez-vous aussi. Et c'est ainsi que nous vivons la recommandation du Seigneur. Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. So, zullen jullie volmaakt zijn, zoals onze Vader in de hemel. Le Seigneur soit avec vous.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.